Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de musique mais de vidéo et spécifiquement d'un logiciel qui sort chez Magix qui s'appelle SOS Cassette Vidéo qui permet de façon extrêmement simple et rapide d'enregistrer des cassettes VHS sur son ordinateur et éventuellement, pourquoi pas, soyons fous, en faire des DVD ou des Blu-ray. Alors c'était quelque chose qu'on pouvait faire avant avec des produits de ce type-là comme la Movie Box USB de Pinnacle. Mais qui était un petit peu cher et surtout pas facile à utiliser. Alors là, le principe même de ce soft, c'est de proposer une solution vraiment ultra simple à la portée de tout le monde. Alors, dans la boîte, on a le DVD d'installation. Il y a le code d'enregistrement à l'arrière, donc surtout vous ne perdez pas la pochette. Petite précision sur l'installation, vous laissez bien tout s'installer, le logiciel, puis automatiquement il va installer la clé et lorsqu'il a bien fini, vous insérez la clé dans le PC pour qu'il la reconnaisse. Mais laissez bien l'installation se passer jusqu'au bout. Et la clé ensuite s'installera toute seule. Vous avez également un petit manuel de quelques pages qui est extrêmement bien fait. Il y a toutes les étapes en fait, de l'acquisition au montage jusqu'à la gravure du disque, donc pas de problème. Et puis nous avons notre fameux convertisseur vidéo USB qui est constitué à la fois d'une clé USB que vous voyez ici et d'un cordon qui permet donc de relier une source analogique soit en S-vidéo soit en RCA à la clé. Donc de cette manière-là. Vous avez également une rallonge USB, ça peut toujours servir, et enfin un adaptateur Péritel RCA qui vous permet donc de relier votre magnétoscope à notre convertisseur vidéo USB. C'est donc une solution complète qui est vendue une centaine d'euros. En ce moment, il y a une promotion, donc elle est quasiment à moitié prix. Il y a également une version qui fonctionne sur Mac, donc pas de souci. Plutôt que de vous faire de grands discours sur le soft, nous allons tout de suite l'essayer ensemble et voir s'il est vraiment facile d'enregistrer sa cassette vidéo sur son PC avec SOS Cassette Vidéo. Nous allons donc brancher le magnétoscope sur le convertisseur vidéo USB. Première étape, on va brancher donc l'adaptateur Péritel. On fait bien attention que le sélecteur soit sur out. Ça se passe à l'arrière du magnétoscope. Maintenant, nous allons connecter les RCA. Bien entendu, le jaune sur le jaune, le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc. Et nous allons pouvoir brancher par cet adaptateur-là directement sur la clé USB. Bien, maintenant nous allons enregistrer la cassette vidéo sur le PC grâce au logiciel qui est fourni sur le DVD. Pour cela, je vais dans le menu Fichier, je fais Nouveau, OK. Je choisis d'importer des vidéos depuis des sources analogiques. Hop. Et je choisis Composite puisque j'ai branché mon magnétoscope en Composite. Continuer. Et voilà. Il ne manque plus qu'à insérer la VHS dans le magnétoscope et à appuyer sur lecture. Comme vous pouvez le voir, aucun problème, ça fonctionne. Donc on peut prévisualiser ici ce qu'on est en train d'acquérir avec le magnétoscope. Pour lancer donc le transfert, l'enregistrement sur le PC, il faut appuyer sur le bouton rouge ici. Rec. Et c'est parti, on enregistre. Lorsque vous voulez arrêter, stop. Et vous pouvez d'entrée commencer le montage vidéo de ce que vous avez enregistré.